Le président du FASO au Journal européen du développement, les travaux de cette rencontre ont débuté hier à Bruxelles. À l'ouverture de ces travaux, Rochmar Christian Kabore a fait une allocution dans laquelle il a expliqué les événements malheureux qui ont empiété sur la bonne marche de la démocratie au Burkina. Il a aussi animé un panel sur le développement durable et la justice. Et puis à Sactoulis ce matin a eu lieu le lancement des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de production de 33 MW. Cette centrale est la première du genre au Burkina Faso. Elle permettra de réduire le coût de l'énergie au Burkina et la dépendance énergétique du pays. Voilà pour le menu de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Le président du FASO, Rochmar Christian Kabore, participe actuellement aux Journées européennes du développement à Bruxelles en Belgique. À l'ouverture des travaux de cette rencontre, le chef de l'État a pris la parole devant ses pairs venus du monde entier. Et dans son allocution, il a fait le bilan des événements qui ont handicapé la démocratie burkinabé. Il a aussi expliqué les actions menées actuellement pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité au Burkina Faso. Le point avec Jean Zongo et Frédéric Etienne Bastinga. La voix du Burkina a résonné à l'ouverture de ces journées européennes du développement. Devant les chefs d'État, les chefs de gouvernement et délégations venues du monde entier, Rochmar Christian Kabore fait un bref rappel des événements qui ont émaillé le Burkina ces deux dernières années et explique ce qui est fait pour tendre vers l'irréprochabilité pour ce qui concerne la bonne gouvernance. Sous ma direction, le Burkina Faso s'est engagé à vider les dossiers pendants devant la justice qui ont longtemps défrayé la chronique au niveau national et préoccupé nos partenaires internationaux. Au nom de ceci, l'affaire Thomas Sankara, mais aussi les dossiers relatifs à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, les crimes de sang, les crimes économiques et politiques sous la 4e République. La lutte contre la corruption et, de manière plus globale, la mise en œuvre de bonnes pratiques à travers les audits sur la gestion des gouvernements précédents et le devoir de redevabilité qui pèse désormais sur toute personne exerçant une parcelle de l'autorité de l'État devront nous permettre d'assainir le climat des affaires et d'attirer au Burkina Faso des investissements directs. C'est le lieu pour moi de porter à votre connaissance que pour financer le plan national de développement économique et social, tous nos partenaires économiques et financiers sont conviés à y apporter leur contribution. Pour le président du FASO, c'est avec la conjugaison des efforts de tous que le monde pourra créer de manière durable les conditions de paix, de stabilité et de prospérité. Et pour ce faire, il appelle l'Europe à y contribuer fortement dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. Et puis, en marge de ces journées européennes de développement, le président du FASO a animé un panel. Il s'est exprimé sur des questions de développement, de justice et de sécurité. Rochmar Christian Kabore a aussi insisté sur le rôle de la jeunesse comme actrice et bénéficiaire des actions de développement. Le point de ce panel, dans ce reportage, le reportage de Jean Zongo et Frédéric Etienne Bassenga. Qu'est-ce qui est fait dans leur pays pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable? Quelles sont les mesures prises pour assurer l'accès de tous à la justice et mettre à tous les niveaux les institutions efficaces, responsables et ouvertes? Voilà les questions auxquelles les présidents Rochmar Christian Kabore et Faustin Touadéra ont répondu au cours de ce panel au Journal européen du développement. À leur côté, la vice-présidente de la Commission européenne, un jeune leader africain et un expert dans l'observation des élections. À ce panel, le président du FASO a d'abord relevé ce qui est fait dans les piliers de l'économie burkinabé, que sont l'agriculture et l'élevage. Rochmar Christian Kabore s'est ensuite penché sur le cas de la jeunesse et pour lui, rien de durable ne peut se faire sans elle. Il y a une forte attente sur le développement de notre pays. Et cette forte attente est impulsée par la jeunesse qui représente quand même environ 60% de la population. Cela signifie que si nous ne trouvons pas des solutions durables, aussi bien en termes d'emploi, en termes de participation aux questions politiques et aux affaires politiques, en termes de participation active dans les structures des organisations de la société civile qui permettent aux jeunes de s'épanouir et de s'intégrer dans la société, nous serons toujours en phase avec les perturbations qui sont de nature
nature à déstabiliser le développement social. Dans l'assistance, c'est un public qui a suivi avec beaucoup d'intérêt l'expérience burkinabé. Le sentiment général qui se dégageait visiblement est que le Burkina est sur la bonne voie et qu'il doit continuer sur cette lancée. Il a parlé très honnêtement, je crois, et il a donné un bon discours, une bonne analyse de son pays. Il a parlé des défis, mais aussi des efforts. Comme ça, bon, moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, et comme moi, je connais aussi un peu le Burkina. La sécurité était également au cœur de ce panel. La vice-présidente de la Commission de l'Union européenne a insisté sur la nécessité pour son institution d'accompagner l'Afrique dans ce domaine. Car pour elle, la sécurité est au cœur de toute entreprise et renforcer la paix chez les autres, c'est aussi consolider la paix chez soi. Retour au Burkina Faso où le Premier ministre a procédé ce matin au lancement des travaux de la centrale solaire photovoltaïque de Zaptouli d'une capacité de production de 33 MW. C'est la première centrale du genre au Burkina Faso. Elle permettra de réduire le coût de l'énergie au Burkina et réduire du coup la dépendance énergétique du pays. La centrale solaire photovoltaïque de Zaptouli est financée à hauteur de 31 milliards de francs CFA par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Les travaux seront normalement achevé dans 14 mois. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 20h. Dans l'actualité également, il se tient présentement la session 2016 du certificat de qualification professionnelle. Et pour cet examen, au total, 5 900 candidats composent dans 11 filières. Et après les épreuves théoriques, celles techniques ont commencé hier. Pour s'imprégner du déroulement de cet examen et encourager les candidats, le ministre en charge de la formation et de l'insertion professionnelle s'est rendu hier à Kudugu. Le reportage de Mokhtar Ouedraogo et Olopoda. C'est parti pour les examens du certificat de qualification professionnelle. Si les épreuves théoriques se sont déroulées hier, celles pratiques ont été lancées ce 15 juin. À Kudugu, les épreuves pratiques consistent à tester l'aptitude des candidats en conception et réalisation en meubles bois et en construction métallique. Ce diplôme que je vais avoir, ça va beaucoup m'aider. Et puis, je vais ouvrir un grand atelier avec ça, quoi. Voilà, et puis avec ce diplôme aussi, je peux avoir le marché de l'État. Ça aussi, c'est une bonne chose. Au total, 5 900 candidats sont à la conquête du brevet de qualification professionnelle. Répartis dans 13 centres, en raison d'un centre par région, ils seront évalués dans 11 métiers. Et c'est dans l'optique de s'imprégner du bon déroulement de cet examen que le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle s'est rendu sur le site de Kudugu. L'examen se déroule bien, toutes les conditions sont réunies et je pense que c'est ça l'avenir du Burkina Faso. Parce que aujourd'hui, il faut élever le niveau de qualification professionnelle de nos jeunes pour permettre à ces jeunes d'avoir un métier et pour leur permettre par la suite de pouvoir s'insérer par l'auto-emploi et pouvoir créer des micro-entreprises. Environ 414 millions de francs CFA sont mobilisés pour le bon déroulement de cette session 2016 du certificat de qualification professionnelle qui va prendre fin le 21 juin prochain. Après 3 jours de visite au Burkina Faso, le directeur général de l'association économique germano-burkinabé était face à la presse hier. Et faisant le point de sa visite, il dit avoir rencontré plusieurs acteurs économiques et les autorités burkinabé. Pour lui, le Burkina Faso et l'Allemagne peuvent échanger des marchés au regard des potentialités dont disposent les deux pays. Mieux, il annonce la visite prochaine des opérateurs économiques burkinabé en Allemagne pour découvrir les potentialités de ce pays. Nongba Kouda, Moumouni Soubega. Venu approfondir les relations entre le secteur privé allemand et les entreprises burkinabè, le directeur général de l'Association économique germano-africaine affiche une note d'optimisme. Pour Christophe Kainen-Guiche, l'Allemagne et le Burkina constituent des potentiels marchés à échanger. Il y aura des acteurs qui sont bien intéressés de s'engager dans ce pays, c'est dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'infrastructure publique. Le directeur général de l'Association économique germano-africaine quitte le Burkina avec un carnet bien rempli. Et de retour au pays, il compte œuvrer au renforcement de la coopération économique entre les deux pays.
Nous avons eu des entretiens avec le gouvernement, mais aussi avec la Chambre de commerce, le patronat et autres acteurs du secteur économique. Ils ont essayé d'inviter des acteurs et des opérateurs relevants de se rendre en Allemagne pour avoir la possibilité de donner à un plus grand nombre d'entreprises une impression authentique des potentialités du marché du Burkina Faso. L'association économique germano-africaine dit encourager la bonne gouvernance, facteur indispensable pour favoriser les investissements. L'association regroupe un vaste réseau d'entreprises qui œuvrent à l'exportation et aux échanges commerciaux entre les acteurs allemands et étrangers. Autre point de l'actualité, et nous parlons à présent de sécurité alimentaire avec ce nouveau concept mis au point par la FAO et dénommé micro-jardinage. Il s'agit de développer le maraîchage en milieu urbain où l'espace a fait souvent défaut. Et c'est une expérience déjà menée au Sénégal. Au regard de son succès, la FAO a donc voulu l'étendre au Burkina Faso, au Niger et en Gambie dans le but d'assurer la sécurité alimentaire. Au niveau du Burkina, le concept de micro-jardinage est bien accueilli par les autorités en charge des questions agricoles. Plus de précisions avec Paul-David Bambara et Ismaël Dziluma Sirima. Du jardinage fait sur des tables. Ce concept est appelé micro-jardinage. Épinards, menthe, persil, oseille, presque tout ce qui se fait dans un jardin ordinaire se fait dans ce jardin. Mis au point il y a une dizaine d'années, ce concept permet de faire du maraîchage dans tout type de milieu. Vous pouvez même faire ce jardin dans un appartement au 15e, 16e étage. Donc c'est vraiment une culture bien spécifique aux zones à forte densité de population où nous n'avons pas d'espace. Et nous pensons également que c'est un programme qui peut générer des revenus permettant aux populations d'avoir accès aux céréales. Et donc de ce point de vue, le ministère accorde une importance aux résultats qui seront présentés. Ce concept a été expérimenté au Burkina Faso de mars 2015 à mars 2016. Et c'est le projet micro-jardinage de la FAO qui a piloté les travaux. Le projet demandait la mise en place de deux centres. Un centre de formation et de démonstration, un centre de production communautaire et une unité pédagogique au sein d'une école primaire publique. Et tous ces centres ont été mis en place et il y a eu des formations. Et les bénéficiaires ont été dotés des tables de production de micro-jardins. Et ils sont au nombre de 260 les bénéficiaires directs du projet. Un projet que le ministère en charge de l'agriculture veut reprendre à son compte. Contribuer à assurer la sécurité alimentaire, c'est aussi un objectif du programme national du secteur rural. Les actions du PNSR visent également à réduire la pauvreté et accélérer la croissance économique au Burkina Faso. Et ce programme, dont la première phase s'est déroulée de 2011 à 2015, est mis en œuvre par un comité interministériel. Les membres de ce comité se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour dresser le bilan de la première phase et définir les orientations pour la seconde phase du PNSR. Yacouba Gamé, Adama Koulibaly. Réunis pour leur première session de l'année 2016, les membres du comité technique interministériel du programme national du secteur rural vont apprécier le contenu des rapports d'évaluation et analyser les performances enregistrées. Il s'agira aussi d'évoquer les grandes thématiques et questions avec des solutions en perspective. L'objectif de cette rencontre, c'est de permettre aux membres du comité technique interministériel d'apporter leur contribution à la validation du document final qui va nous servir de cadre d'orientation pour notre travail dans les 5 années à venir. L'un des points non moins importants de cette session sera sans doute la proposition d'orientation pour la formulation du PNSR 2 à l'horizon 2025. C'est en fait une modernisation de l'agriculture au sens large, agro-silvopastorale, c'est-à-dire une intensification de l'agriculture. C'est aussi en fait la prise en compte des femmes, des jeunes dans le secteur rural.
Le programme national du secteur rural mis en œuvre pour sa première phase entre 2011-2015 vise à contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Les membres du Conseil national de l'eau tiennent également leur session ordinaire depuis hier à Zignaré. Deux points essentiels sont au programme de la dite session. Il s'agit du programme national d'assainissement des eaux usées et du programme de gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. Les recommandations issues de cette session seront soumises aux autorités en charge de l'eau pour la suite à donner. Des précisions avec Daouda Ouattara et Tanga Akafandou. À cette 30e session ordinaire du Conseil national de l'eau, deux points figurent à l'ordre du jour. Le programme national d'assainissement des eaux usées et excrétées à l'horizon 2030 et le programme de gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement 2016-2030. Dans l'anticipation, on a pu également préparer les programmes à même de soutenir la nouvelle vision du gouvernement en alignement avec la vision internationale que sont les objectifs de développement durable. Donc je peux dire globalement que nous pensons que nous sommes vraiment dans une bonne dynamique pour ce qui est en tout cas de l'organisation de la gestion des ressources en eau au niveau du pays. Et c'est Zignaré qui accueille les participants pour une journée de réflexion et de propositions à soumettre au premier responsable du département en charge de l'eau, ici représenté par le gouverneur de la région du Plateau Central. C'était ces documents qui sont soumis à la validation du Conseil national de l'eau pour qu'à l'horizon 2030, tous les Burkinabés aient l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. Créé en 2001, le Conseil national de l'eau est une instance consultative auprès du ministre chargé de l'eau. Il apporte son concours à l'orientation de la politique nationale de l'eau et de l'assainissement. Et pour terminer, voyons l'actualité traitée par la presse écrite de ce jeudi au Burkina Faso. L'interdiction de voyager à l'encontre des caciques du CDP et l'incivisme dans la circulation routière sont largement commentés par les quotidiens. À l'international, les journaux évoquent le consensus trouvé pour une autorité intérimaire au Nord Mali. Des précisions avec Aimé Soulange Guigma. En question dans les quotidiens du jour, le débarquement de l'avion des caciques du CDP. Le CFOB dénonce fermement dans le journal Le Soir une volonté d'humilier. Pour l'opposition politique, cette interdiction de voyager a été faite sans production d'un justificatif légal. Par conséquent, de tels agissements relèvent de l'arbitraire, indique aujourd'hui au Faso. Pour le président du Faso Roch Marc-Christian Kabore, il ne s'agit pas d'un acharnement, mais d'une action qui s'inscrit dans l'intérêt de la nation, une version rapportée par Citoya. Encore un policier renversé par un usager de la route, peut-on lire à la une de notre temps. La scène s'est passée au rond-point des artistes en face de la pharmacie Dunia, aux 1200 logements. Le pays précise que c'est après avoir refusé d'obtempérer au coup de sifflet d'un premier policier que l'usager a foncé sur les collègues du policier qui l'attendait. Au final, deux policiers sont légèrement blessés, mais cette fois-ci, l'usager en question a été arrêté. Actualité internationale, le quotidien nous apprend que le gouvernement malien et les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 se sont entendus sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du Nord Mali. La paix des braves aura-t-elle lieu, se demande bien le pays. Cette fois-ci, explique Sidoya, ce sont les responsables des groupes armés rebelles qui jadis avaient claqué la porte qui ont pris la résolution de revenir dans le processus. Il y a de quoi espérer que le protocole soit parti sur une bonne base et que les cliquetis des armes soient définitivement étouffés dans cette partie du Mali. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie de la RTB.